Regarde ici, vas-y. Salut Jérôme, salut Serge, c'est Stéphane. Bon bah voilà une vidéo de mon Tomahawk largement améliorée grâce à vos coups de main. Vous me direz ce que vous en pensez. On en reparlera au téléphone demain ou après-demain. Ouais, bise. Passe tout près de, gentiment qu'on voit la déco quand même. L'avant lève, j'espère que l'avant lève pas plus à cause de ma cassure surlevée. Ouais. Ça, une mais j'ai mis plus gros, c'est une Z, hein. Ça a l'air qu'une connerie. Est-ce que t'as poncé, ça a fait quelque chose? Bah, je me demande si c'est pas une connerie. Je trouve plus stable plus stable dans l'absolu d'avoir poncé, mais en revanche, je trouve qu'il lève plus avant. L'avant tient moins. En même temps, là, je te dis, j'avais mis un temps de time plus gros, j'ai... T'as changé trop de paramètres non, en même non, temps. Non, j'ai pas changé tout doucement, mais bon. À la fin, je vais faire un petit arrêt sur image des... Bon, on restera en vidéo, hein, Raphaël, pour montrer un peu la gueule du bateau aux copains, à Serge et à Jérôme. Ah oui, il a pas mal, hein. T'en as encore combien, là, d'autonomie, tu penses? Honnêtement, je pense qu'il fait l'autonomie, là. Et ça fait combien de temps que tu tournes là? Je sais rien. En revanche, tu peux le savoir, t'as la vidéo. Ben, 2 minutes 35. Non, mais laisse tomber, je m'en fous pas. Là, il n'y a pas le moindre clapot. Hein. Il marche, hein. Il a pas vu, hein. Il fonctionne, on dirait. Il m'a fait tomber. Hein. Alors, oui. Oui, il a un petit peu embarqué. Par moment, virage, si je vais essayer d'aller trop vite, s'il n'arrive pas à bien accrocher comme je voudrais. Non, j'attends le time. J'ai déjà fait, hein, Raphaël. Il est mieux comme ça, avec le petit temps de time, il yoyote trop en courbe. Là, il est mieux. Oh là, il a trop tourné. Et Brunaï, t'as changé de Brunaï aussi? Oui, j'ai essayé les plus courts, ça marchait pas du tout. Alors le très court, tu peux demander à Florian, c'est le même pire, c'est pas du tout. C'était marrant, ouais. J'avais plus rien. J'avais plus. Donc là, j'ai les deux packs d'AQ à gauche, les copains, en enfilade, et le contrôleur en revanche à droite. Juste à côté du moteur, au même endroit où on le mettra à gauche, et puis à droite. Ton deuxième pack? C'est le dernier. Donc il est quand même bien, à côté de la semaine dernière. Ah, on vient de loin. C'est le on peut déjà dire merci Serge. Enfin, si la semaine prochaine t'es en Allemagne, ça va être chaud. Hein. Non, dans deux semaines. Deux semaines. En fait, ça, entre la semaine dernière et aujourd'hui, Raphaël, c'est tout un monde. Ah oui, tu peux pas.
C'est pas... Oh, ça va, c'est bien, comme ça on voit ce que c'est. Oh bah écoute, il est reparti. En fait, j'ai décollé mes trucs et je ne vais pas coller en fait. Donc, je vais mettre à la Siano après. Alors on a eu un beau travers de vent aussi. Hein. Là on a un bon vent. Hein. Il y a déjà 5 minutes 30. Hein. Là, je suis d'accord, là. Sauf que j'ai démarré bien avant toi, Raphaël. J'ai bien dû faire 30 ou 40 secondes. Tu peux arrêter 2 secondes s'il te plaît. Hein. Le problème c'est que si j'arrête, je peux plus recommencer. Enfin, je fais une autre vidéo. Non, alors vas-y, laisse tomber. Moi je rentre, mais l'arrête pas. L'arrête pas, on va montrer le bateau et on va l'ouvrir tout de suite. D'accord. Je m'arrête là. Ouais, c'est, je suis en sécurité là. Alors regardez les copains, ce qui m'embête c'est que le gouvernail il est comme ça, au neutre. J'ai mis de l'angle à la transmission, beaucoup d'angle. Lame de gouvernail, j'ai essayé 1 cm en dessous, 2 cm en dessous, c'était vraiment pas bien parce que le bateau, dès qu'on lâchait, il perdait vraiment son axe dans l'eau. Et le turn fine comme ça est pas trop mal, je resserre un peu plus court. Alors on va aller l'ouvrir tout de suite avant que Raphaël. J'ai l'impression d'être un journaliste. Hein. À mon âge, je cours plus moi. Tu nous autorises à regarder, c'est sympa. Bien sûr, c'est tout. Mais... Donc le dedans, je vous montre la répartition des masses. Vous avez déjà vu en photo où est le moteur. Sauf que naturellement, Serge, j'ai raccourci la transmission d'un centimètre. J'ai pas pu faire plus pour l'instant, mais je vais essayer pour la prochaine fois. Voilà comment ça se passe. Donc j'ai mis ça pour caler la cul. Alors, donc vous regardez. Donc le moteur, il est là, à 6 cm du V. Les deux accus en enfilade jusqu'au tableau arrière. Et le contrôleur, je l'ai mis du côté droit, à côté du moteur. Voilà les copains, une vue d'ensemble. Et je vous remercie, on envoie la vidéo ce soir. Bye. Au revoir les amis.